Bonjour, nous allons avec Madame Bonnet vous présenter les coups de cœur du mois d'avril. Je vais vous présenter un roman qui n'est pas une nouveauté mais que j'aime beaucoup. Il s'agit de « Comment dresser votre dragon » écrit par Cressida Cowell. C'est le premier tome d'une série qui s'appelle « Harold et les dragons » et qui a été adapté en film d'animation sous le même titre. On y suit l'histoire de Harold qui est un petit garçon chétif et très peureux qui vit dans une communauté de vikings peuplée par des êtres bruts et hirsutes. Donc il détonne dans sa communauté, le petit Harold, et il doit passer par un rituel obligatoire pour être officiellement admis dans la communauté. Il doit grimper une falaise et parvenir à une grotte dans laquelle se trouvent des milliers de dragons, et il doit voler un œuf. De dragon pour ensuite élever ce dragon et l'adopter comme son propre dragon. Parmi les nouvelles acquisitions et deuxième coup de cœur, je vous présente la commode au tiroir de couleurs. Donc, il s'agit d'une adaptation du premier roman d'Olivia Ruiz, qui a connu un franc succès et qui a conquis des centaines de milliers de lecteurs. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, à la mort de sa grand-mère, va hériter de sa commode. Et un à un, elle va ouvrir les tiroirs de la commode et découvrir des secrets de famille. Plus exactement, elle va découvrir la vie, l'histoire de sa grand-mère, qui a fui la dictature franquiste, qui a quitté l'Espagne et s'est exilée en France. Le deuxième roman de ma sélection s'appelle « Et le désert disparaîtra » de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion. On y suit les aventures de Sama, c'est une jeune fille qui vit dans un monde qui est totalement désertique. Elle se retrouve isolée du monde et pour survivre, elle va devoir repenser à sa façon d'exister et à la manière d'exploiter les ressources qui sont à sa disposition. C'est un roman d'aventure avec comme toile de fond l'écologie. C'est passionnant et ça se lit facilement à partir de la quatrième ou de la troisième. C'était nos trois coups de cœur du mois d'avril. Venez les découvrir au CDI.